Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Alpha Gamer pour cette première vidéo Let's Play sur Resident Evil 2. Donc comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos test, vu que les vidéos sont un peu trop éloignées des fois, je vais faire des vidéos Let's Play où je vais faire le jeu en fait concrètement de A à Z. Je vais faire des petites vidéos d'une heure je pense, où je vais faire tout le jeu tranquillou, où on va pouvoir parler, etc. D'accord ? Bon allez, je lance ça tout de suite. C'est parti. Si ça veut bien. Ah, ça veut bien. Nickel. Allez. Paf, 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 paf. Donc paf. Allez. On est parti. Allez. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre Léon en normal. Parce que c'est mon perso préféré. Tout simplement. Dès que j'ai fait le 4. Ça a tout de suite accroché, on est devenu comme ça avec Léon. Du coup, voilà. Et puis, apparemment, la campagne est un peu moins compliquée, je crois. Ok, donc c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar. Et cette femme a commencé à... Donc c'est un esprit, donc je vais arrêter de parler pendant les cinématiques pour que vous puissiez vraiment profiter du jeu quand même. C'est cadeau. Yeah. Il est là. C'est bizarre. Hein? T'es trop curieux. Mais à quel moment tu... T'entends un bruit chelou et t'y vas comme ça, enfin, je veux pas accuser le coup, mais... Le 11... On se prendrait pas un petit burger et on se barre direct, en vrai. Bon allez. On va prendre nos balls, on va y aller.
Ça va? Bougez pas. Je vais revenir vous aider. Ouais, allez bien de toute façon. Donc allez, on va aller par là. Si le mec il a montré du doigt, c'est que ça doit être par là. Paf. Arrête de bouger. Est-ce que tout va bien? Enculez, monsieur, prends la queue. Des génies, cette police. Bouge pas ou je tire. Je veux pas faire ça, mec. Je veux pas faire ça. Recule. Là, je loupe. Là, attends, je. C'est un enfoiré. Non mais sérieux? Sérieusement quoi. Et tu m'as fait bouger toutes mes balles quoi. Ouais. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à ramasser? C'est quoi ça? La clé? Allez, yes. L'histoire de slot qu'il va falloir. Impeccable. Nickel. Bon allez. C'est pas tout, mais là, faut sortir de cette merde. Ouais. Là ça m'a l'air pas mal là. On va passer par là parce qu'on a pas énormément de balles. Utiliser paf à l'ancienne. Putain mais attends. Non mais sérieux. Lâche-moi. Mais non mais c'est pas possible. Foiré. On va essayer de sortir, on va essayer de se barrer parce que là il y a un peu trop de monde j'ai l'impression. Oh putain enculé. Cours pour ta vie. Mec, il y a des bols, mais grands comme ça. Mec, il vient de rencontrer des morts vivants et il se dit pas non, je vais pas y aller, je vais rentrer chez moi. Le mec, il y va quoi. Sans déconner. Yes, donc là, je vais juste passer ça parce que ça, c'est le. C'est un peu les crédits de début là. Je sais comment ils étaient merdes dans un jeu comme ça. Ils faisaient pareil dans Metal Gear. Très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais...
Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Hein. Courir. Tu marques un point. Oh, si je recule, comment tu veux, mais comment veux-tu, mais comment veux-tu que j'enfile mon pull ? Il se prend une déflagration de Piémont Citerne, il se relève tranquille quoi. C'est la routine. Ça. Ok, on se passe. C'est l'apocalypse. Ouais, toi qui a voulu venir. Hein. C'est toi qui as voulu venir. Attends, attendez. Ça passe pas par là. Ça passe pas par là. Ça passe pas par là, on se casse. Plonge dans le piège quoi. Le commissariat. Donc c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait de refaire le 2. C'est un jeu que j'avais pas pu faire vu que j'étais un peu trop jeune. Je peux passer par là. Et du coup le fait qu'il ait refait en HD, c'est vraiment sympatoche. Parce que le jeu je l'ai à peine fait pour sortir le test juste avant. Et vu que c'est un des jeux que j'apprécie grave pour l'instant. J'ai décidé de vous le faire en let's play parce que c'est que du bonheur. C'est que pour vous, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'il y a 2-3 trucs à ramasser? Paf paf paf. Bon, c'est le début, je pense qu'il n'y a rien du tout. On va suivre la trame. Nickel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Nickel. Donc ouais putain j'ai un problème avec mon stick de merde là. Alors, tac. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a forcément quelqu'un ici. T'es là tranquille aussi, hein, sans déconner.
Ah oui, donc tu vois, vu que j'ai une petite extension quand je suis. Vu que j'ai acheté un Micromania. Du coup, j'ai eu deux flingues assez sympathiques. Du coup, ouais, j'ai joué un peu pour faire le test. J'ai pas joué longtemps, j'ai joué que 4 heures, donc je suis pas allé très loin dans le jeu. Donc c'est pour ça que là, ça risque d'être intéressant. Je me souviens vraiment de rien, parce que je l'ai fait assez rapidos. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ouais, attends, on va voir s'il n'y a pas des balles quelque part, parce que là, je suis vraiment à poil. Je suis vraiment à poil. Donc ça, il faut mettre des trucs dans les trous. Je peux pas dire autrement, pas hein, donc. Alors là, ok. D'accord. Donc là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Vas-y, on va y aller. Nature peinture. Ça a rien de pinailler. Milan. Donc ouais, je vais vous faire des vidéos d'une heure à peu près. Que je vais échelonner dans la semaine, que je vais séparer. Le temps de les préparer, tout ça. Comme ça, au moins, l'écart entre les deux tests sera pas trop grand. Parce que sinon, ouais, il suffit qu'il y ait beaucoup de sorties en début d'année et qu'il y en ait un peu moins au milieu d'année. En 3 mois, je sais rien, quoi. Donc c'est pas le but, quoi. Cette chaîne pour me faire un peu plaisir et je pense qu'on va se faire un peu plaisir. Donc il fait vraiment vraiment flipper cet enfoiré de jeu. Aucun fusible. Putain, je vois rien. Donc ça, ok. Pas bien serein, hein. Je vous avoue que je suis pas le plus courageux, Ça va. mais pour vous, je suis prêt à tout. Je suis un fou, je suis un dingue. Et tu vas se coucher, pas bouger. Parfait. Des bastos. Parce que ouais, comme je l'expliquais dans mon test, je sais pas si vous vous rappelez, vous aviez en fait vous n'avez pas le lock en fait de la visée, vous n'avez pas la visée assistée comme dans l'ancien Resident Evil. Du coup en fait si vous loupez des balles, ben, c'est triste mais c'est tout pour vous quoi. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Ah putain. Si je maintiens pas, ça marche pas. Donc ouais, je trouve le jeu vraiment super bien fait quoi, c'est vraiment cool. Léon est super bien animé. Ah, vous avez la fameuse carte qui est comme dans tous les Resident Evil. Donc là, je dois aller dans la salle du gardien. Mais avant, je vais passer par les chiottes. Je vais passer par les chiottes. Bon, je pense que c'est peut-être une mauvaise idée, hein. C'est peut-être une mauvaise idée. Oh putain, je vous ai un peu oublié. Je vous ai un peu oublié le chat. Je pourrais peut-être pas vous répondre en pianotant, mais je vais essayer de vous répondre de vive voix. Oh, ça me clash là. C'est en train de me clasher sur le chat. Vous ne l'avez pas sur la vidéo, mais c'est en train de me faire ma fête bien propre. Ça fout à moitié le bordel. Ok. Donc la clé. Attendez. Je peux l'utiliser cette clé de merde là. Pourquoi je l'ai gardée hein? C'est de la merde. Calme-toi, Jean-Michel. Allez, fais un effort, bordel.
Moi, c'est trop tard. J'espère qu'il recroche le pansement des héros. Insupportable, bon. Vous êtes insupportable dans le chat. Je suis pas sûr que ça suffise un pansement là. Mais qui vient de se faire. Il vient de se faire bouffer en deux. Carnet d'un officier. Tac, ok. Donc là j'ai plusieurs infos, ça va être cool. Ok, 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 ok. C'est bien quand j'ai un petit. Ah, j'entends du bruit. Je pense. L'enculé. Non. Bordel. Bon, on va se barrer. Et t'as pas ta lampe torche, bâtard. Voilà. Putain. Sans déconner, là, je me casse. Un chinois. Allez, cours. Vite. Allez, dépêche-toi là, putain. Tu lui donnes la main, tu sais, il a du sang, des fois il a le tétanos, on sait pas, tu sais. Il se fout de ma gueule, quoi. T'en déconnes. On sait ce qui a causé tout ça. Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit bouffera ton cul si tu fais pas attention. J'ai dû commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu? Là, maintenant, c'est tout ce qui compte. Il y a pas. Je suis prêt. J'espère que tu trouveras moyen de sortir d'ici. Le fils que t'avais tout à l'heure, Elliot. Ouais, il est un peu. Je vous emmerde, ok? Clairement. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, c'est plus important. Toujours dans la critique, quoi. Putain, ça arrive. Je peux pas vous laisser là. Truc de dingue. Truc de dingue. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Tiens, mec. Allez. Tiens, mec, sauve ta peau, mec. C'est ça, bon, arrête. Ok, le couteau qui va bien. Donc, pour rappel, le couteau, je peux l'utiliser à l'ancienne, à la Resident Evil 4. Et c'est un objet défensif, donc si je me fais choper, je vais pouvoir lui casser la gueule. Donc, alors, j'ai chopé des documents que je vais pouvoir utiliser. Donc, carnet d'un officier. Donc, voilà, on a la statue qui est juste là, donc il me dit qu'il faut regrouper 3 médaillons pour accéder à un souterrain. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Là où j'avais vu une statue dans ce genre-là, donc c'était. Je me rappelle plus. Putain, j'ai une mémoire de mouche. C'était la statue du lion. Donc, ouais, enfin. Ça garde vraiment les mêmes énigmes que dans le 2, par contre. C'est... Ils sont pas changés d'un poil. Donc, c'était le lion. Donc, tête de lion, feuille et pigeon. Allez. Lion, feuille, pigeon. Lion. Feuille pigeon. Voilà, c'est pas non plus. Pas réfléchir non plus un million d'années, quoi. C'est
pas. Ok. Bon. Oh, attends, je vais... La manette, elle bug complètement, donc des fois, je fais des inputs, ça les prend pas. Là, il est la classe, là, avec son petit gilet pare-balles, là. Donc là, on va pouvoir mettre, du coup, les petits médaillons qu'on trouve. Donc, Elliot avait raison. On dirait. Le passage est encore fermé. Ouais. T'as pas des balles? J'ai pas des balles enfoirées. Donc, alors, il m'a donné un couteau. Donc au début, ça valait un peu plus vite que plus tard, parce que j'avais déjà fait cette séquence de jeu. Mais bon, enfin, je l'ai fait assez long, il y a assez longtemps, donc je me souviens pas de tout. Allez, plante verte, magnifique. Du coup, ma vie, je suis en OK, on va y aller. C'est un pomme pote. Je crois qu'il y a une couille là. Je crois qu'il y a une couille dans le potage là, je pense. Comment il a pu se mettre en haut comme ça le mec, t'sais? Sans déconner. J'ai pas flippé. Petite trace de griffe. Ça bien. Vous imaginez même pas la concentration que j'ai là. Là je suis. Ah, t'es dans le cul ma vieille. Putain, merde. Non. Putain, mais je suis venu la chier, c'est pas possible. Alors, tu la veux? Tiens, arrête-toi pas, bitch! Tiens! Alors, ah d'accord, ok. Il tient le passage, quoi. Notamment sur ma carte, j'ai des trucs qui s'affichent aussi, là, les... Des sortes de... tous les items qu'il y a dans la salle, normalement, je peux les voir avec ma carte, si j'ai pas de conneries. Ok, j'ai peut-être des conneries. C'était pas affiché. Impeccable. Rapport d'événement, donc... Ok, je vais vous épargner les détails. Ouais, moi je trouve que le couteau est assez efficace, ouais. Et la manette, ouais, ça fait chier, je sais pas pourquoi le sticky bug, quoi, pouvoir trouver des petites portions de cartes là, comme ça, c'est cool, pour se repérer, sinon on y va à l'aveugle, et c'est vachement moins pratique. Donc si vous vous rappelez, si vous avez fait la démo du jeu, là, vous trouviez une petite carte pour accéder au fusil à pompe, mais là du coup, mais qu'est-ce qu'il y a mon gros? Qu'est-ce qu'il y a mon gros? Tiens, ta gueule.
Donc ouais, je vais essayer de clear le plus possible de zones parce que là. Ah, je le savais. Ok, bah tu fais bien comme tu veux, hein, mais bon. Du coup, bureau ouest, salle des casiers, chambre noire. Alors, s'il y a un truc là, Inachi. Donc là, bureau ouest, je vais aller voir dans le bureau, dans le casier, une fois qu'il y a un peu de loot. Ok, allez. Ah, les boutons. Normalement, je peux l'ouvrir. 109. Non, merde. Putain, je fais de la merde. 109 aussi. Le 102, je peux pas. Le 3, je peux pas non plus. 106, on dit que c'était ouvert. Donc, pellicule. Ok. Merde, des balles, ça c'est la vie. Ah, bien sûr, bah bien sûr. 208, non, j'ai pas de 2, on a dit. J'ai pas de 2 et de 3. Bon, ça c'est mort encore plus. Paf, donc là il va dire qu'il a perdu. Voilà, il a perdu des touches, donc va falloir retrouver des touches pour prendre le reste des caisses. Tout est coincé. Attends. Planche en bois. Yes, allez. On va se grouiller le cul. Tiens, dans ta gueule, mon gars. C'est cadeau. Y'a de la lumière dans cette salle de merde, là. Putain, sans déconner. Tac. Putain, on se met bien là. Poudre noire. J'espère que ça sert pas à rien. C'est pas juste de la poudre aux yeux. Si vous restez, vous allez avoir droit à un million de blagues comme ça. Je vous préviens tout de suite. Ça, on s'en branle. Oh yes, paf. Donc normalement c'est comme un truc résident combiné, bim. Donc là, un truc pour développer des photos, ça tombe bien, j'ai une pellicule, la photo d'un rouet. Les pellicules contiennent des preuves, ne les laissez pas traîner. D'accord, donc le jeu il te donne des conseils, c'est cool. Donc ouais, dans les jeux de... J'aime bien faire plusieurs sauvegardes. Parce qu'au cas où je me foire sur un passage, j'utilise trop de balles et après je me retrouve bloqué. Je préfère faire ça. Donc ouais, il y avait une pièce que j'étais pas allé voir. On va aller voir tout de suite parce que... Généralement, il vaut mieux aller voir dans toutes les salles pour récolter le maximum de trucs.
Ok. Je pense que lui, il est pas mort. Ok. Oh, il est trop bien fait le jeu, c'est un truc de dingue. Ce jeu est vraiment une tuerie. Niveau graphique, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Donc ouais, je sais que vous me voyez de courageux, beau et fort, mais... mais qu'il abuse tout. Mais ouais, je me chie un peu dessus. Vous avouez que... J'entends des bruits, mais je sais pas où ils sont les bronzes. Ah. Ils se barrent. J'intéresse pas. Il est bourré ou... Putain, j'ai fait sauter moi. Ah non, j'ai peur. Taf. Dans ta gueule. C'est con. Hein. Je pense qu'il est pas mort encore. Quand il est mort. Est-ce que lui, il est mort aussi? Pef. Ok. Alors, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous aviez compris, pas vrai. Bonne chance, Léon. Ils sont marrants, mes collègues de bureau. D. Un point d'opération, on s'en fout. E. D-E-N. Ok. Donc la poudre noire que je peux combiner entre elles pour faire des balles normalement. Voilà, parfait. Bim, je prends, je combine, boum. Alors D-E-N, et là c'est quoi là? 50. Attends, je vais essayer, je vais reprendre le premier cadenas déjà. Alors, paf. Alors, ça doit être N. Merde. N, E et D. Voilà, putain, on est des putains d'enquêteurs, nous. On est des putains d'enquêteurs. Là, vous avez un M. Là, vous avez un R. Et là, vous avez un... Un G. Putain. MRG, ok. Oh, jeu de mots. MRG. M. R. G. Paf, c'est cadeau. Allez. Chargeur grande capa. Magnifique. Donc toi, direct. Boum. Putain, en plus ils m'ont remis des balles dedans quoi, excellent. Ok, donc là il me faut la clé pique. Donc là c'est mort, on va retourner en arrière. On va retourner en arrière. Yes, il y a du casier. Donc je vous permets de fouiller un peu parce que si je fouille pas, je vais passer à côté de trucs qui peuvent être vraiment, vraiment cool. Genre un coffre. Ok, j'ai pas le code du coffre, donc ça c'est mort je pense. Là j'ai le chien non plus. Allez. On est des dingues. Donc je dois retourner. Donc là j'ai la chambre noire, paf. Évier, ok, on s'en fout. Bureau ouest, c'est une porte qui s'ouvre pas. Et j'ai un coffre, donc
là, seul moyen, c'est de passer par là-bas. Allez. Je vais faire un petit tour ici, là. Taf. Et voilà, une sauvegarde sur deux, je pense que je vais switcher pour pouvoir pas être de la baise, quoi. Parce que là, c'est un peu ce qui est compliqué dans ce genre de jeu un peu l'ancienne. Bon, là, il était refait, hein. C'est vraiment pas... Ok, sur vos lèvres. Ok, ne s'est pas relevé. Impeccable. Ah, t'es pas mort, enfoiré. Hein. Ok, ça c'est fait. Toi, tu vas sûrement te relever. Putain, c'est bien, c'est pas des... Je veux dire, il n'y a pas un seul trash mob, quoi. Je veux dire, il y a des filles, il y a des mecs, il y a des gros, il y a des... Il y a des pas gros. Ça fait peur, ça, pute. Ok, donc toi t'es mort, toi t'es mort. Paf. Putain, mais c'est la fête, toi. C'est la fête, on trouve des balles de partout. Donc là, j'ai découvert un nouvel étage, vu que j'ai pas la carte en fait, ça va s'ajouter au fur et à mesure que je rentre dans les pièces. Donc c'est vraiment un peu à l'aveugle. Hop là, paf, de l'herbe. Ouais, donc là je passerai pas. Hashtag courage. Bon, ça je peux pas l'ouvrir. C'est enculé. T'es les mecs ils me taunt, quoi. T'es, ils se foutent de ma gueule. Tiens, des balles de pompe. Prends des balles de pompe alors que tu n'as pas de pompe. Appuie sur la touche pour allumer la lampe correspondante. Allumer toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer. Oh, petit... Ok, attends, est-ce que je peux pas me défausser d'un truc, là? Merde. Putain de merde, j'ai trop de trucs, en fait, là. Donc, les rouillés, je vais la garder, je vais utiliser un peu de vie. Je crois que je m'étais pris un hit. Un petit coffre portatif là. Putain, je crois que ça c'est la merde. Ça. J'ai réussi à l'ouvrir un jour, mais. Et c'était grave de la merde. Merde. Ok. Là, ça va être un sketch, les gars, je pense. Non, sans déconner. Ok, d'accord. Attends. Alors. Ok, donc lui. Alors, attends, tac. Putain, mais je suis à bisu. Alors, lui. Et après. Pas de chance. Ok, paf. Ok, c'est bon. Je crois qu'on tient quelque chose là. Oh putain. Ok, tac.
Pièce de rechange, parfait. Je vais pouvoir me barrer, ouvrir le coffre là-bas. Ouvrir le casier. Donc là, bah voilà, faut pas être papa dans maman. Donc j'ai pas papa. Donc là, il y a Chi. Ok, paf. Paf, paf, paf. Sans déconner. Là, ok. Allez, putain, je vous claque. Bisou. Donc, j'ai gagné une touche. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est quoi ça? C'est des pellicules. Ça, c'est un couteau. Donc, est-ce que je mets le 3? Est-ce que je mets le 2? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui va me permettre de prendre plus de trucs? Le 2 va me permettre de prendre celui-là. Et celui-là, je pourrais pas l'ouvrir de façon. Ok, donc je vais mettre le 2. Le 2, ça me semble le plus intéressant. Ok, donc 102. On est d'accord. Et 208. On est d'accord. Donc ça je vais pouvoir les prendre parce que j'ai vraiment un inventaire de chips quoi par contre. Sans déconner quoi. Et 6 slots. Je peux rien faire avec cette merde, c'est pas possible. Alors ça je le prends. Je le prends, allez. Fuck. Paf. Je vais tout foutre dans mon coffre. Je vais tout foutre dans mon coffre parce que là j'ai plus de place du tout. C'est un truc intéressant qui arrive, je vais pas pouvoir le récupérer après, ça fait chier. Donc ça, j'ai pas de fusil à pompe. Clairement, j'ai déjà un spray de soin, du coup ça j'en ai pas besoin. Ça, j'ai pas ce qu'il faut pour combiner. Paf, allez. Petite erreur de ma part, j'ai oublié de me déconnecter du live. Mais sérieusement quoi, je suis le seul joueur d'Apex au monde ou comment ça se passe quoi? Apparemment il y a des gens qui ont grave besoin de moi. Je sais que je suis skillé et tout mais voilà, pas déconner. Alors là je suis au dernier étage donc paf, ok. Le jeu il aime bien en fait me baisse comme ça, là. Genre me faire des farces et tout quoi. Ok, tac. Qu'est-ce que c'est? Yes, la clé pique. Parfait. Piqué, piqué. Collégrane. Putain, je rentre un peu comme un bourrin dans les salles là, je devrais pas. C'était quoi ça? Je me chie dans le bain. Alors. Par hasard, je vais me poser ma poudre noire et.
enculer, quoi. Il va bien te faire enculer, hein. Clairement. Oh, mais là, c'est la fête. Oh, j'ai plein de balles de partout, quoi. C'est... Ok, donc pour rentrer, il va falloir tout faire péter. Ok, j'ai rien pour tout faire péter. Là, on passe à autre chose. C'est quoi, ça? Griffonnette de quelqu'un, ouais. Il n'y a plus qu'à le faire sauter. D'accord. Ça, j'avais compris tout seul. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Paf. Nickel. J'ai quand même allé voir ce qui se passe là-bas, là, à gauche. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Ah, mais Yachi, je suis un bisou. Non, mais laissez-moi un truc. Ok. Léo, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Plus gros, ils prennent plus de balles, c'est ça, c'est... J'ai entendu un bruit. Ah non, c'est bon. Mais non. Ah. Cet objet défensif, là, pour qu'il me fasse pas chier. Putain, mais meurs un jour, quoi, c'est pas possible, quoi. Je me permets de les... Putain, c'est chaud à viser en plus. Je vais me permettre de buter parce qu'après ils vont me faire chier si je repasse par là. Cher celui-là, là. Je l'ai mis une gobade, je l'ai fait exploser. Mec. Couteau défensif, parfait. Là, paf. Est-ce que je peux revenir dans le hall? Magnifique. Que demande le peuple? Que demande le foutu peuple? Marvin! Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Tu la connais? Ouais. Elle s'appelle Claire. On est arrivé ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur. Côté est. Merci, lieutenant. Pour le bloc... Une planche de bois en bas de l'escalier. Ouais, j'en ai jamais une. Je te remercie du conseil. Mets la touche sur le 2. Tu peux jeter la clé de ton inventaire car il y a une croix rouge. Yes, nickel. Merci, parce que ben, là, j'avais un doute en fait. Je me suis dit, putain, je veux pas jeter une clé
Je peux me servir parce que ça me ferait vraiment chier. Alors, j'organise tout ça. La planche, j'en avais déjà mis une à la fenêtre. Marvin, toi, tu m'emmerdes. Puf, puf, puf. Alors, je vais laisser ce qui ne sert à rien. Ça, je pense que c'est... Yes. Je vais récupérer la poudre noire pour la combiner. Paf, ça, combiné, paf. Impeccable. Petite sauvegarde qui fait le café. Yes, impeccable. Yo, Rosenior. Alors, putain, ça devient le bordel super vite quoi. Spray de premier soin. Je passe à côté d'un spray de premier soin. Nickel. Je suis désolé de faire un peu de merde là, à chaque fois là. Du coup, il m'a dit d'aller où putain, j'ai pas écouté. J'ai clairement pas écouté. J'avais une porte là-bas, on va juste aller voir la porte qui est là-bas. C'est pas possible, je vais pas à chaque fois devoir remettre la clé, tu fous de ma gueule. Ah mais c'est pas pareil, putain, je suis con. Ok, d'accord. Donc ça boucle la boucle. Je vais juste aller voir dans la bibliothèque, il y avait une porte, j'ai pas... Je suis allé voir mais... Ok. Qui c'est qui crie là? Crie pas mon gars, tu cries pas. Oula. Petit bug de texture un peu. J'espère que tu te relèves par contre. Magnifique, j'ai utilisé une balle pour rien alors que j'avais un couteau, je suis complètement con. Yes! Deuxième petite... Yes! Petite carte! Putain mais... On est si bien! Alors donc, on disait petit calepin qui va bien, il est où? Carnet d'un officier, donc là c'est... La licorne. C'est quoi? Poisson crabe verre d'eau. Poisson, crabe et. Je crois que c'est le signe du Verseau, une connerie comme ça, je crois. Paf, nickel, deuxième emblème. Trop facile ce jeu, trop facile. Moi je comprends pas. Ok. Alors, tac. Donc voilà, c'est sur ce dernier moment dans la zone un peu safe là qu'on va se quitter pour ce premier let's play. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous reviendrez voir le second et le prochain jusqu'à ce que le scénario s'achève. Et voilà, entre mes petits let's play, je mettrai quand même mes tests. Donc le prochain ce sera Sekiro normalement. Donc vous n'inquiétez pas, je vais quand même faire mes tests à côté. Je vais pas faire qu'une chaîne de let's play, je vais faire vraiment mon test, let's play, et tout qui me plaisent un peu. Donc voilà, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé tout simplement. Je vais essayer de trouver un petit moyen de cacher ce que je diffuse en même temps. Pour avoir un peu la communauté qui m'aide dans certains passages ou qui me donne des conseils, c'est toujours un peu plus marrant pour moi. Enfin, je le fais pour me faire plaisir, c'est important pour moi. Et voilà, donc on se retrouve pour le second épisode. Je ne sais pas quand je vais sortir, mais les épisodes je vais les sortir tous les deux jours, je pense.
Donc ça me paraît assez bien. Peut-être un peu moins hein, si je suis super chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager comme d'hab, liker, et voilà, je vous fais plein de bisous. Salut.